tellement grand, tellement grand. Que tu es la prééminence.
Merci Seigneur pour ce moment, pour nos bien-aimés qui sont en route pour cet endroit-ci. Nous te prions d'appeler leur part. Nous te prions de frayer une voie pour eux, pour créer des embouteillages, et qu'ils puissent être là afin qu'ensemble nous puissions communier. Béni sois-tu Seigneur, que l'on ait la gloire de revenir à jamais, au nom de Jésus-Christ, notre précieux Seigneur Sauveur. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oui, ce soir, nous sommes contents. Parce que nous avons, voyez, un élan serviteur de Dieu avec nous. Il est venu et il a consenti à nous rendre visite. Amen. Le pasteur Ambroise. Amen. Alors, c'est la vie. Comme nous sommes arrivés le soir, je vais l'appeler. Mais vous, c'est le mercenaire, vous savez.
Quelqu'un de moi le connaît même à son origine. On tape sur YouTube, ça fait des. On raconte des histoires, et puis les gens, les chrétiens, après ça, ça aussi c'est vrai. Ça aussi c'est. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Matthieu chapitre 24, nous allons commencer tout doucement pour arriver quelque part. Matthieu 24, 12 à 13. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que Dieu bénisse sa parole. Je tourne aussi dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que Dieu bénisse sa parole. Un mot de prière. Dieu bien-aimé, de tout mon cœur, si tu as permis que je sois ici, permets que cet instant puisse aider quelqu'un. Si cela ne peut pas aider, si cela ne peut pas consolider, permets que je puisse fermer la bouche. Et que tout ce qui viendra de toi soit pour aider quelqu'un, décharger quelqu'un. Aider quelqu'un à grandir dans la foi, amen, qui est notre héritage. Reste avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une fois encore, pasteur Timothée, que Dieu te bénisse. Et merci beaucoup. Merci surtout pour la confiance. C'est vrai que les temps sont assez difficiles. Mais de tout ce qui se passe aujourd'hui, en tant que les chrétiens, nous devons garder nos yeux sur la parole. Amen. Notre vision doit être entièrement la parole. Parce que si notre vision n'est pas la parole, on risque de mélanger les choses. Et mon sujet ce soir, c'est la manifestation des semences du temps de la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Et chaque semence va se révéler. Amen. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien cacher. On ne peut plus rien cacher. On ne peut plus rien voiler. Chacun sera connu. Les fruits vont s'identifier. Et chacun saura qui il a toujours été et ce pourquoi il est là. C'est quand on arrive à la fin qu'on identifie chaque arbre à partir des fruits. Et Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Ce que je veux dire ce soir, ça n'engage que moi. Si ça brise, que ça brise. Amen. Si ça peut vous séparer l'un de votre frère, que vous se séparez de frère. Amen. Mais accrochons-nous réellement au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les temps sont tellement sombres que si vous constatez bien, même dans notre message, la semence de discorde est en train de s'installer. Amen. La semence de discorde s'installe même dans nos églises. Amen. Et les deux semences sont en train d'arriver à l'aboutissement. C'est pour ça que nous devons rester en éveil. Tu veilles sur ta vie. Amen. Et tu oublies tout le reste autour de toi. Amen. Parce que si tu prends ton temps à les observer, ils vont te refroidir. Amen. Ils vont te troubler. Ils vont te désarmer. Ils vont te démotiver. Ils vont te décourager. Si tu passes ton temps à les regarder, tu risqueras même de ne plus aller à l'église. Amen. Parce qu'ils vont manifester l'iniquité. Mais le seul moyen de survivre dans ce temps de la fin, c'est que chaque croyant retourne à la semence réelle dont il est parti. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, avez-vous dit que la charité du plus grand homme se refroidit?
Mais le but principal de Dieu, c'est de faire de toi et moi la charité. Alors comment est-ce que moi je le vois-tu alors que Jésus est devenu moi-même la charité? C'est quand on dit, vous ne pouvez pas séduire un élu. Parce que l'élu lui-même est devenu la parole. Amen. Comment la parole séduit l'élu? Et là, nous sommes arrivés, vous ne pouvez plus donner qui que ce soit. Amen. Vous ne pouvez plus tromper quelqu'un. Même si du haut de la chair, vous racontez des histoires, il y a des gens qui ne vont jamais vous suivre. Amen. Parce qu'ils sont connectés à la grande puissance de Dieu. Amen. Qui vivifie la parole en ce temps de la fin. Amen. C'est pour ça que faire un prêcher. Il y a ici un homme qui peut amener la lumière. C'est pour ça qu'il a appelé un homme comme prophète. Il a appelé un homme comme pasteur. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas lui qui fait le travail. Amen. Mais il y a un être surnaturel. Amen. Qui est la parole. Amen. Qui lui permet de coordonner vos vies. Amen. Et la rendre parfaite. Amen. C'est pour ça que restez à la maison, écoutez les bonnes. Frère, vous serez déçus. Amen. Amen. Parce que vous n'aurez pas l'accoutrement qu'il faut. Amen. Comment Élisée reste chez lui, écoute les bonnes. Et il voit la jaquette de lui, le prophète. Allô. Comment? Pas possible. Vous ne pas rester chez vous à la maison. Écoutez les bonnes. Ça ne suffit pas aller au ciel. Quel ciel? Il a appelé le Saint comme. Amen. Le prophète. Il a appelé le Saint comme. Comme. Ce n'est pas eux qui font le travail. Si c'était eux, il avait dit qu'il a appelé le Saint prophète pour faire ceci. Mais il les a appelés comme. C'est-à-dire qu'ils sont là comme des robes, des chemises. Amen. Mais le Dieu de la parole, Christ, l'onction, se passe derrière. Amen. Et il coordonne les éléments du corps. Parce que le tout a formé un ensemble. Amen. Amen. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Comment voulez-vous la bénédiction et vous restez chez vous? Non, parce que la technologie nous permet d'être connectés. Oui, frère, c'est bon. Vous êtes connectés humainement par moi. Mais spirituellement, vous n'êtes pas connectés. Parce que la prophète qui est ici ne règne pas dans votre maison. Vous serez là devant votre camp, vous suivez pendant un moment, donné, votre téléphone sort. Vous êtes déconnecté. Vous sortez de la prophète de l'église. Allô, oui, c'est bon. Oui, demain, elles vont se voir. D'accord. Et ça finit de déconnecté. Mais tout ça, on se prépare pour le ciel. Amen. Beaucoup de semences dans le message. Juste pour mouiller les gens. Amen. Frères et sœurs, juste pour vous dire ceci. Si ce n'est pas un vrai grain, éloignez-vous. Amen. Amen. Mon Saint frère, il est là depuis, je m'en fous de son année. Amen. Amen. S'il ne peut pas être lui-même, la parole fait chier. Amen. Vous n'avez pas la peine de le suivre. Amen. 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 Parce que vous, c'est trop dit. Oui, nous sommes arrivés à la fin. Amen. Comme je l'ai dit hier, hein, frère, nous sommes tous nombreux dans le message. L'onction va faire des tris. Des gens vont suivre des bandes d'ivrognes. Des gens vont suivre des bandes de cochons. Ils vont s'en aller. Mais les vrais cellules resteront. Amen. Parce que c'est eux la dernière manifestation. Amen. Et chacun montrera tout il a tenu. Amen. Et qui l'a réellement. Amen. Ne vous laissez pas être séduit. Amen. Et quand je vois ce que Branham a dit, j'ai aussi en moi l'Esprit de Dieu. Amen. Qui va aller au-delà de l'Écriture. Amen. Parce que l'Esprit va au-delà de l'Écriture. Message de l'homme. L'Esprit peut rentrer dans la pensée même de Dieu. Amen. Et il dit, attention, voilà ce que ça veut dire. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. C'est pour ça que je vous dis ce soir. Amen. Amen. Que la charité du plus grand homme qui refroidira, ce n'est pas de lui. Mais c'est celui qui est encore en chemin. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand je dis alléluia, on dit alléluia. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Mais quand ça embraye, je sais que vous êtes au sujet. Amen. Alléluia. Yeah. Celui qui est encore en chemin, qui n'est pas encore arrivé à son attention, on peut le tomber. Amen. Mais quand lui-même devient la personne de Dieu,
vous êtes ligué pour mentir au Saint-Esprit. Amen. Mais le Saint-Esprit est où? Alléluia. On ne peut plus le tromper, frère. Alléluia. C'est pour ça que vous êtes devant le pasteur. Pour un problème, vous êtes frère. Dites la vérité. Je t'en remets quand je dis démon, maman te réveille le sort. Amen. Frère, l'esprit sort d'elle. Amen. On n'a pas fait jeûne et prière. Amen. Amen. Sort. Et l'esprit sort. Amen. Amen. Tu ne peux pas me dire la vérité. Et je te crois. Et je ne peux pas t'aider. Ne venez plus raconter des histoires. Dis la vérité du fond du cœur. Préparez-vous parce que l'enlèvement aura bientôt lieu. Amen. Si vous le voulez, Dieu dans la chair humaine. Amen. Yeah. Mais ce Dieu
même il a le billet. Ce n'est pas qu'il a un billet pour voir, pour faire la comparaison. Parce qu'en faisant la comparaison, on peut ne pas avoir raison. Mais ici, c'est lui-même la chose. Amen. C'est comme on dit, dans les choses qui sont à venir, il dit, vous, l'Esprit de Dieu, écoutez bien, frère. Le Saint-Esprit, c'est toi et moi. Alors, quel esprit est au-dessus du Saint-Esprit? Quel esprit? Mami, voilà. Aucun esprit n'a au-dessus de cet esprit. Par conséquent, on ne peut pas discerner. Eux, ils ne connaissaient pas le parfait. Mais nous, nous avons le parfait. Eux, ils ne connaissaient pas les sept tonnerres. Mais nous, nous connaissons les sept tonnerres. Les sept tonnerres, ce n'est pas une expression. Mais c'est une vie. Et quand je vis, tu ne peux pas me séduire. C'est quand je ne connais pas la chose que tu peux me tromper. Amen. Mais quand c'est ça que je viens, Amen. Mais comment tu veux me raconter les histoires? Amen. 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 C'est ça la bataille aujourd'hui. Amen. C'est de redevenir ce que nous avons toujours été. Amen. 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 Redevenir ou reprendre. L'écran n'est pas redevenu un blanc. Il était toujours un grand. Mais il est né un grand. Ça vient redevenir. Parce qu'il a vu son identité. Amen. Et la lumière de vrai est venue nous montrer notre identité. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut plus rester là pour rien. Que plus personne ne te trompe ça. Amen. Si quelqu'un veut mettre des boucles, si quelqu'un veut mettre des mains, ça fait son boulot. Mais toi, reste naturel. Amen. C'est scandale. Amen. Quand on voit une femme naturelle, quand elle passe, tout le monde file. Amen. Tout le monde regarde. Parce que ça, c'est surnaturel. Amen. Mais les enfants de Dieu aussi, on veut les suivre. C'est moi qui s'importe dans le message. On veut les copier. Mais le faire, la faire, moi, je peux faire. On n'est pas la même chose. Amen. Le faire peut faire. La soeur peut faire. Mais toi, tu n'es pas pris. Ne le suis pas. Connaître toutes choses. Voilà, si la Bible 152 paragraphe. Tandis que vous croyez, vous devenez amour. Amen. Vous croyez, et l'amour de Dieu, l'amour Dieu, vous le devenez. Alors, quand quelqu'un veut vous tromper, comment quelqu'un fait pour refroidir, vous refroidir, vous. Alors qu'il ne sait pas ce qui est caché en vous. Amen. Le troisième pouce, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur pour que quelqu'un dise oui, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, pour qu'il puisse imiter. Tout est arrivé. Amen. Il fait comment pour imiter ça? Amen. Et l'amour, c'est Dieu. Amen. Et vous commencez à ancrer en Christ. Et ces autres choses, vous n'êtes pas obligé de cesser de les faire. Elles disparaîtront. Simplement tellement. Donc il faut arrêter de faire ceci. Faut arrêter de faire ceci. Frère, si là, la semence en lui, la semence se transformant va le transformer. Amen. Les choses là vont tomber. Amen. Elles disparaîtront simplement elles-mêmes. Vous n'avez plus le désir de faire cela. Celui qui rend un culte, ayant été purifié, n'a plus aucune conscience. Or le désir du péché. Ou le désir du péché, heureux de vous, voyez-vous, celui qui rend un culte, une fois purifié, voyez-vous, ce que je veux dire, lorsque l'adorateur est purifié, c'est lorsqu'il est né de nouveau, lorsque sa vieille nature meurt, et que la nouvelle nature s'installe, alors il devient partie de Dieu, un fils de Dieu, il reçoit la nouvelle vie, et la vie, c'est le mot grec là, c'est Zoé, ce qui signifie Dieu, la vie même de Dieu. Et vous devenez un rejeton de Dieu. Et Dieu ne peut pas vous faire du mal sans se faire du mal. Amen. Amen.
vous dénigrez un autre chrétien ou quelque chose comme cela, souvenez-vous, vous faites du mal à Dieu. Amen. La finalité de l'alléluia, la finalité des adorations, amen. La finalité de l'orgie, la finalité de tout ça, c'est Dieu dans l'homme. Amen. Alors comment Dieu encore on peut le séduire? Amen. C'est là où on a dit, on ne peut pas le séduire. Amen. Et ici, on nous dit, à cause de l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Frère, on dit, ils savent bien. Ce n'est pas les païens, je ne parle pas des païens. C'est des frères en Christ. Ils savent bien que ça, on ne fait pas. Il va faire. Pour voir ta réaction. Mais toi, ne le regarde pas. Est-ce que tu es venu pour lui? Non. Ou pour le Seigneur? Amen. Non, l'amour. Amen. Tu n'as venu pas l'amour. Qu'est-ce que vous appelez l'amour? L'amour est correctif. L'amour tire la vérité. Amen. Il sait qu'on ne va pas faire ça, il va le faire. C'est pas parce qu'on le fait. Amen. Parce qu'on ne peut pas suivre dans l'île des élus. Amen. On est trop loin pour rester à se plaindre. Et frère, mettez-moi en règle. Mais c'est s'il vous plaît. C'est fini. Amen. Amen. C'est fini. Amen. 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 Je n'ai plus le temps de demander pardon, Jean. La personne est arrivée à la fin. Et ce qu'il a toujours été, il va le manifester. Amen. Amen. Il fera des jours de scandale. Quand tu entends, c'est un frère. Oui. Donc le jeune frère là-bas est choqué. Il tombe malade à cause de ça. Amen. Ne tombe plus malade. Amen. Quelqu'un ne veut pas vivre la parole, t'es pas sur le corps, tu tombes malade. Amen. Page 92, ça c'est ordinateur, mais c'est 88, le livre. Maintenant, pour saisir le véritable sens de ce que nous apportons, je vous recommande de ne surtout jamais oublier. C'est pas moi, c'est Branham. Amen. De ne plus jamais oublier, j'ajoute plus jamais. N'oubliez plus jamais cela. Que la religion, les choses spirituelles, si vous voulez, se composent de deux parties qui s'entremêlent, mais qui sont tout aussi opposées que le noir et le blanc. Amen. La religion ou les choses spirituelles sont composées de deux parties. Amen. Mais les deux parties là, c'est comme le noir et le blanc. Or le noir et le blanc, on se retrouve dans les âges de l'Église. Regardez bien, le noir et le blanc. Chaque fois le noir et le blanc, chaque fois le noir et le blanc. Dans les âges de l'Église. Et continue. La religion et le monde spirituel sont faits de deux arbres qui ont leur racine en Éden. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les deux au milieu du jardin. Sans doute que leurs branches étaient entremêlées. Les branches, la communion fraternelle. Amen. Ils sont tous les deux, tout le monde est là, on s'embrasse. Les Lucifer est là. Amen. Les deux sont leurs frères. Les Lucifer est là. Amen. Et en ce temps de la fin, nous sommes dans le message. Alléluia. Oui, c'est vrai. Mais je suis pas ici à l'hôtel. Amen. T'es méchant.
Frère, ne les regarde plus. Je suis venu te dire, ne regarde plus ça. Amen. Lève-toi et avance, avance, Amen. Avance. Amen. À quel but? Amen. Alléluia. Ils ne veulent pas avancer, laisse-les. Amen. Or Dieu parle à chacune d'elles. Amen. Elle parlera de
chacune d'elles. Amen. Dieu s'adresse aux pécheurs comme il s'adresse aux alléluia. Des fois, vous verrez, si le pasteur se met beaucoup dans l'église, mais qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui le pasteur? Non, ce n'est pas vous les élus. Il est en train de faire une guerre. Amen. On ne sera plus seulement. Il y a quelqu'un ici qui me trahira. Il y a quelqu'un parmi vous qui me trahira. C'était Jésus qui faisait la guerre. Vous n'êtes pas comme l'élu. Il ne parle pas de vous. On ne sait pas fissurer. Il ne peut pas vous faire du mal. Christophe, Pierre et Jean, c'est ton ami. L'arrivée aussi, là, c'est toi qui as la couronne d'amour. L'amour connaîtra le secret. Amen. Va lui demander c'est quoi. Et il dit à Jean, je ne dirai pas le nom. Parce qu'en disant le nom, ça peut échapper. Amen. Il y en a parmi vous qui sont prêts à tuer ce monsieur. Amen. Amen. Et vous pensez que si Pierre était informé que c'est Judas Iscariot, vous pensez que Judas allait faire ça? Vous comprenez ça? Pierre ne va pas laisser Judas. Il va le suivre de près. Amen. Jean m'a dit là, qu'est-ce que tu veux? Attends ici. Mais Jésus dit à Jean, quand je vais tendre la main, celui qui va aussi tendre sa main. Amen. Amen. Jean regarde, il voit que non, Jésus a attendu sa mère, la plus personne qui a attendu sa mère, c'est Judas Iscariot. Après les autres ont attendu sur leur mère. Jean prend oublier un peu la scène. Non, frère, on a dit que la prophétie, ça va être une femme, elle s'est accomplie devant les deux, ils sont tous là en regardant. Non, c'est pas vrai, vous attendez qui? La femme qui aura une grande autorité aux États-Unis. Tout est déjà en place. Tout est déjà en place. Covid-19 n'est pas là pour vous faire du mal à nous. Mais c'est pour nous secouer. Pour que nous soyons tombés les vieilles plumes. Et que le nouvel feu plus fort que nous faisons. Plus fort pour voler. Et quitter ce monde. C'est pour ça que c'est là. Je dis amen. Il a cherché toute la vie, pasteur. C'est cher, tout est cher. Jésus avait déjà dit ça. Amen. Est-ce que toi, dans la chérie, tu ne manges pas? Amen. Tu n'es pas à l'aise. Amen. Et là, pourquoi tu parles comme les autres? Amen. Amen. Non, les temps sont difficiles, oui, c'est vrai. Les temps sont difficiles. Mais est-ce que c'est vraiment difficile chez toi? Amen. Matthieu 24, 24.
au point de séduire. Amen. S'il était possible, d'aller le séduire. Amen. Amen. Ce n'est pas les miracles qui vont séduire le Dieu de Dieu. Amen. Parce que le miracle est là pour toi aujourd'hui. Amen. 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 Je continue. Amen. Alors, dis ceci. Très peu de temps après la Pentecôte, la fausse fille a pu s'entremêler avec la vraie fille. Et c'est pour cela que nous voyons ces œuvres de Nicolaïsme. Et cet esprit continuera à combattre la vraie fille jusqu'à ce qu'il soit détruit par Dieu. Amen. Saisissez-vous cela maintenant. Amen. 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 Nous arrivons à un temps où l'iniquité sera accrue. Oui, et comme l'iniquité, vraiment dit ceci. L'iniquité, qu'est-ce que c'est? Tu es chance Dieu de s'enfoncer au cieux de sa parole. 18 mars 1960, paragraphe 111. Il dit ceci. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est quelque chose que vous savez que vous devez faire, qu'il est juste de faire, et pourtant vous ne le faites pas. Voyez-vous ce qui se passe dans ces derniers jours? On sait que ça, on doit le faire, mais on ne le fait pas. C'est savoir ce qui est vrai, et on le rejette. C'est ça l'iniquité. Ton frère qui est à côté de toi, il a cru c'est récent. Il n'a pas encore une foi solide. Hein? Maintenant, vous êtes arrivé peut-être à un enterrement. On vous a servi une chose. On vous a servi la bière. À cause du frère, là, la bouteille de bière, il faut rendre ça. Pas à cause de toi. Amen. Je n'ai pas de bière. Amen. Parce que si tu le scandalises, tu vas payer. Parce que qu'est-ce que tu veux dire? Attends. Tu veux dire qu'on peut boire ou bien? Regardez là, c'est quoi? Tes esprits tordus. Je reprends. Nous sommes dans un milieu. Je me suis dit, si je fais ça, ça peut scandaliser quelqu'un. J'arrête. Amen. Jéhovah va vraiment me bénir pour ça. Amen. Parce qu'il viendra ôter les scandales. Amen. Et ceux-là qui commettent de telles choses, il viendra les sauter de son église. Amen. Il y a des choses que nous devons éviter. Amen. Et garder notre position en Christ. Amen. Vous suivez? Amen. Les deux sont ensemble dans la même église. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Les deux sont ensemble. Chacun des deux, les deux sont ensemble. Au temps de Moïse, ils sont ensemble. Et il y a des gens. Quand on dit ceux à qui vous vous associez, ils se projettent en vous. Les Corées, les Tatars savent qu'ils iront nulle part. Parce que le goût de l'Égypte est trop en eux. Ils ont seulement suivi le goût. Ils sont allés faire leur photo. Vous me suivez? Moïse arrive. Et Moïse dit ceci. Suivez mes frères. C'est quoi qu'on dit là? C'est dangereux, c'est plus dangereux que la machine. On prend le contrôle de votre personnalité. Et vous êtes là, vous le comprenez bien. Amen. Moïse dit que tous ceux qui sont pour Dieu viennent à la droite. Il y a des frères qui sont de pour les guérisseurs. Il y en a qui non, non, on ne le fait pas. Non, on ne bouge pas. Vous comprenez, non? Non, non, on reste ici. De toutes les manières, quand tu es parti sur la montagne, on ne savait pas ce que tu es devenu. Il y en a qui sont restés debout. Que ceux qui sont pour Dieu, que tu es pour Dieu de nous. À force de regarder les hommes, on devient homme. Et pire encore que homme. Amen. Ils sont restés debout. Que ceux qui sont pour ça, Dieu, Dieu vient à ma droite. Ils sont de douleur, de peur. Jusqu'à ce que la tête s'ouvre. Et ils descendent à la terre. Oui. 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 Alléluia. Sans décision. Amen. Ils n'ont pas donné la dernière mot. Mais frère, écoutez-moi. Avant de partir, donnez votre dernier mot. Amen. Là où le méchant s'arrête, c'est là où se va l'être.
avez votre exemple ici. Et vous allez voir. Des frères en Christ. Jésus a été invité par Simon, l'homme le plus riche. Jésus vient dans sa maison. Il ne parle pas soin de Jésus. Il a ignoré Jésus. Mais écoutez, toujours est-il que ce que vous vous ignorez, Dieu prendra des gens pour le nourrir. C'est pour ça qu'on te piétine ce message. Des gens viendront t'écraser. Amen. Vous suivez? Amen. Jésus est dans la maison du ciel. Simon ne lui avait pas lavé. Une femme prostituée. Vous savez que c'est vous et moi. Amen. Là où Jésus n'est pas le bienvenu, nous serons toujours là. Amen. Pour dégager l'odeur. Amen. L'odeur de grâce. Amen. Un parfum cher. Amen. C'est des millions de francs. Amen. Une vie pure. Amen. Saint. Saint. Saint est l'éternel des armées. Amen. La femme la vient, elle fait ça. Tu veux bien. La première personne qui parle, c'est Judas Iscariot. Jean 12. Juste pour vous montrer un exemple ici. Jean 12, le verset 4. L'un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour donner, pour les donner aux pauvres? Qui a parlé? Judas Iscariot. Mais qui est Judas Iscariot? Seulement nous sait pas. Oui. Amen. Mais quand il parlait, personne ne savait qui il était. Amen. Amen. Et quand Judas parle ici, des frères, des soeurs, qui ont l'esprit de Jésus, ont repris la même parole. Bon, c'est vrai ce que je dis. Ne peux pas Judas te dire. Il ne faut pas que tu fasses les choses là dans le centre. Amen. Oui. Sans même discerner. Amen. Alléluia. Sans comprendre ce qu'il vient de dire, ça vient pire. Oui. Oui. Amen. Marc 14. Marc 14. Il est ceci. Le verset 4. Quelques-uns s'exprimaient entre eux, exprimaient leur indignation à propos de perdre ce parfum. C'est plus une assurée. Oui. C'est quelques-uns. Des mains. Oh, comment est-ce qu'on peut perdre ce parfum? Ça fait beaucoup d'argent. Oui. Quand quelqu'un veut honorer Dieu, ça le fait mal. Amen. C'est vrai. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Quand vous venez ici, alléluia, alléluia, Dieu m'a béni, il m'a donné une voiture. Vous pensez que c'est tout le monde qui dit Amen? Vous pensez que ça? Il y en a qui sont là, je vais faire ça, ça va plus. Amen. Vous pouvez tout le passé, c'est faux, ça vous regarde. Vous aurez le temps de constater. Jusqu'à ce temps, ça
témoignage. Tu es grand. Tu es bon. Que son nom soit. Tu vas t'asseoir. Allez, mon cher chef. Ils sont tous des fornicateurs.
Un jour, un frère de Amen. Mon frère, je ne comprends pas. Frère, faut laisser. C'est comme le
on n'a pas, c'est à Dieu. C'est Madame qui a dit ça. Tu fais ça bouger parce que c'est fini. Parce qu'il veut dire, il veut chercher à comprendre ce qui se passe à ton niveau. Mais il ne faut pas la bouche, ne dis pas. Amen. Vous comprenez? Amen. Ne dis pas. Désolé. D'ailleurs, c'est que l'esprit le plus élevé ici dans ce bâtiment, c'est votre pasteur. Amen. Vous vous éloignez de lui, vous vous écrasez. Amen. Non, le prêtre n'est pas mis à faire. Amen. Il est le gardien de vos âmes. En train de l'étrangler. La soeur crie Seigneur, Seigneur, Seigneur. Frère, elle me voit. Je viens attraper le monsieur pour le jeter. Le lendemain, le monsieur est mort. J'étais pas là. Écoutez, j'étais pas là. C'est un témoignage qu'on m'a rendu. Je n'étais pas là. Le monsieur est mort. Elle me voit tout pasteur. Vous allez voir que votre vie sera. Amen. Amen. Tournez en rond. Ça, j'en ai prospéré. Amen. Que j'explique autour de vous. Ils sont prêts. Amen. C'est toi qui veux établir un projet. Ne dis à personne. Amen. Fais ton projet. Ne résiste pas de faire ce plan. Il y a des choses cachées, ça. Amen. Je vais attendre la main. Amen. Cacher ça. Amen. Cachez ça. Amen. C'est pas open book, close book, fermé dedans. Cachez vos secrets. Et quand c'est le mur que tout le monde peut voir, vous laissez, ça va s'exposer. Qui a mis la grosse caisse là? C'est le frère. Quel frère? Quel frère? Qui? Donc ça marche comme ça. C'est maintenant qu'il se réveille. Et en prenant contre-carré, l'ange est déjà là. On dit, il y a un frère dans l'église, on va acclamer le Seigneur pour le frère. Amen. On ne voit pas le frère. Amen. Mais c'est quel frère? Amen. Jésus. Amen. Le visible deviendra l'invisible. Amen. Il ne veut pas la prendre des autres. Il achète la passe, il dit, ça c'est pour l'église. Amen. On cherche tout. Le pasteur dit, mon frère, vous laissez ça. On avance. Ça va être dans l'église. Amen. Parce que monsieur, il connaît des choses que vous ne connaissez pas. Amen. Parce que je raconte des histoires. Amen. Amen. Alléluia. Réveillez-vous. Ils sont dans le message, ils se foutent en des hommes. Ils sont dans le message. Ils font tout ce qu'ils veulent. Amen. Que celui qui se souille, se souille. Laissez-le se souiller. Amen. Que celui qui est juste, laissez-le qui continue dans son justice. Et toi, sanctifie-toi. Prépare-toi. Amen. Laissez-le faire. Amen. Laissez-le dire. Amen. Et non pas le dernier mot. Amen. Le dernier mot, c'est Jéhovah. Amen. Vous comprenez? Amen. La manifestation des semences du temps de la fin. Ils sont après. Des fois vous êtes à vous chanter bien, des fois vous êtes étouffés. C'est eux. Amen. Il dit, il regarde l'assemblée. L'esprit qui chasse ici, il est en coordination avec tous les esprits. Ils sont là qui disent, non, vous ne pouvez pas bouger, moi on est là au dessous. Moi on est là au dessous. Donc bouge même pas. Donc vous formez une constellation dans cette église. Il dit, j'ai levé ma main, je coupe le lien. Dès qu'il a coupé le lien, ça veut dire que c'est tout qui est tombé. Ça ne va pas, tu peux faire réveiller pour ça. Amen. Tu peux chéder. Tu as besoin de dire ça ne va pas. Alléluia. Et demain, tu vas ça ne va pas.
Amen. There's so much dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je finis avec Jésus. Frère Jésus est mort. Et regardez les frères Christ. Ceux qui ne sont pas arrivés au baptême de l'esprit. Ceux qui ne sont pas arrivés à leur placement. Frère, ils ont commencé par les programmer. Ils vont retourner chez eux avec Marius. Dans leur village. Dans l'ancestral. Esprit familial. L'esprit de brûler. Ils vont se retourner dans la cochonnerie, dans la pureté. Mais Jésus les a regardés. Malgré qu'ils retournent la guerre, ils n'ont pas perdu la source, le cœur. Voilà, Jésus dit ça. Jésus parle avec nous. Ils sont incapables de savoir que c'est Jésus. On a dit plusieurs succomberont. Pierre aussi a succombé, vous savez ça? Amen. Je dis frère Pierre a succombé. Pita. Prends la Pita. Il a succombé. Parce que Pierre n'est jamais devenu lui-même la parole. Pierre a suivi Jésus parce qu'on n'a plus besoin de se casser les bras pour que le poisson vienne. On n'a plus besoin de courir à la pharmacie pour que le médicament, la reine soit guérie. Vous comprenez? On n'a plus besoin de travailler toute la nuit pour avoir la pyramide remplie de poissons. Bien, mais ça là, c'est mon projet. Mais chemin faisant, Pierre devait devenir celui qui le suit. Et comme il n'est pas arrivé à cette étape, c'est là qu'il est blessé pour eux. C'est là qu'il a été secoué. Mais il n'est pas mort. Le juste temps. Mais l'éternel va le brûler. Vous suivez ça? Ça vient tomber. Il allait se pleurer. Et Jésus dit aux apôtres, allez le dire à tout le monde que je suis ressuscité. Mais en particulier, dites à Pierre. Dites à Pierre. Que je l'ai élevé. Est-ce que vous comprenez mes amis? Amen. Votre prière n'est pas oubliée. Amen. Dieu ne vous oublie la chambre. Allez, va sonner. Son miracle va sonner. Ça fait d'aller. Mais nous devons la
amener la rédemption. Amen. La rédemption, c'est aller et puis revenir. Et il va voir ta bonne main rouge au sec de même marche. Il y a des choses dans le monde là. Hein? Et puis nous, on marche comme ça. Amen. Des alcooliques qui portent des cravates. Seigneur, mais nous, la dernière race, amen, sélectionnée, amen, la race pure, amen, la fraîche marche de la femme. Je n'ai pas entendu votre nom. La fraîche marche de la femme. Je crois, Père, que tu es en train de le faire. Je suis dit dans un but. Père,
paix soit lourd dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.